On a un regain d'intérêt massif pour le Royaume-Uni après une période un peu calme suite à la fermeture des frontières et la pandémie. Et donc là, on a énormément de clients qui reviennent et qui se servent du Royaume-Uni et de l'Irlande comme un tremplin pour le grand export, puisque maintenant, il faut apprendre à vivre avec une réglementation qui est un petit peu différente de par le passé. Et on aide les entreprises à faire ça. Et ça se passe très bien, parce qu'en fait, le Royaume-Uni, c'est avec la fermeture de ses frontières, s'est rendu compte qu'ils étaient très dépendants des produits de l'extérieur, et donc ils sont très, très, très désireux d'importer des produits. Et comme eh bien, tout a augmenté, l'avantage, c'est qu'on peut vendre ses produits plus chers au Royaume-Uni et en Irlande qu'on ne peut les vendre eh bien, finalement dans le pays d'origine, en France. Alors, les secteurs porteurs, on en a beaucoup. Le Royaume-Uni est un pays de services, donc c'est un secteur qui marche super bien de manière traditionnelle. On a l'agroalimentaire qui fonctionne très bien aussi, sur lequel on est complètement débordé. Et on est en train de lancer un programme très intéressant qui est dans l'industrie 4.0 et qui mélange l'industrie et la tech. On est très orienté vers les technologies du futur au Royaume-Uni et l'industrie qui perdure et qu'on doit continuer à faire vivre. Et les Britanniques sont très intéressés par cette industrie 4.0 et on va lancer un très grand programme sur ce sujet-là. Programme qu'on n'a pas encore lancé et qui a déjà beaucoup d'intérêt de la part des entreprises françaises.